Nouvelle vidéo, salut à tous. Je vais tester une marque que je ne connais pas. C'est une marque qui m'a contactée à plusieurs reprises. Je ne donnais pas suite et à un moment donné, je me suis dit bon, va quand même jeter un petit coup d'œil. Et je suis tombée sur un manteau. Enfin non, c'est pas un manteau, c'est un trench. J'en cherchais un. Je me suis dit bon, allez, tente. J'ai fait une sélection de 8 vêtements. J'ai déballé un petit peu. Je vous avouerai que je suis un peu mitigée sur certaines pièces au niveau de la qualité. J'ai quand même un petit doute. Il y en a d'autres, ça peut le faire. Donc on va vraiment tout regarder ensemble. Je sais même pas si je vous l'ai dit, de la marque Milano. On reçoit des petits plastiques comme ça. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe parce que j'ai deux ceintures qui traînent et je risque d'en avoir besoin. J'ai tout mis là sur le cintre de façon à ce que les habits se tiennent bien. Nous avons donc le trench, comme je vous disais, qui m'a l'air pas mal. Bon, c'est pas encore la qualité que j'attends, mais faut le voir porter, la petite ceinture. Regardez-moi le modèle. Sur le modèle, c'est canon. Ah, regardez là, par exemple. Est-ce que vous allez voir, il y a un petit accro. Bon, je vous donnerai évidemment tous les prix. Le poncho, pareil, sur le mannequin. Il me donnait vraiment envie à voir, parce que là, j'ai l'impression comment ça se tient au niveau du col. C'est hyper important, parce que si ça baille et si ça se tient mal. Nous avons ça, grand classique, que je mets toujours, ces petites robes pulls. Gris, le gris, j'aime bien. Les étoiles, il y a la ceinture qui va avec. La qualité est très agréable. Ça, je sais pas ce que c'est comme matière, mais regardez, j'aime bien ça quand ça fait comme ça au niveau des pantalons. Et nous avons un zip. Et il faut voir surtout, parce que alors là, au niveau de la culotte, je ne le voyais pas comme ça du tout. Et ça, je déteste quand ça fait ça. C'est pas très joli. Tu es obligé en fait de le porter avec un truc long parce que c'est pas top. Ici, nous avons comme un legging. Alors, on dirait du lycra. Les petits lacets, c'est pas de def. Une robe longue. Alors un petit peu légère, donc je pourrais la mettre avec des vestes. Je vais tenter, je la trouvais jolie. C'est un tissu que je n'ai pas. J'aime bien aussi quand c'est resserré comme ça, un petit lacet. Elle est longue, elle est smoke au niveau de la taille et au niveau des manches. Et nous avons un jean. Un jean, j'ai pas osé prendre 36 parce que je me suis dit bon, vu que j'ai un petit peu grossi, on passe au 38. C'est aussi comme un bodycoat légèrement évasé en bas. C'est parti. J'ai bien envie de commencer avec ce modèle-ci, la robe longue. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai que si, sur le mannequin, on le voit. Elle est fendue, la petite. Au niveau du col, c'est pas ce qui me va le mieux, finalement, quand ça fait rond. Avec mes cheveux blonds, j'ai comme un doute. Je vous donne le prix, parce que sinon, vous oubliez, j'avais tout noté. Cette robe longue, elle coûte 25,51€. Alors, ça me fait rire, parce que c'est que des prix comme ça, 53, 6, 7... Par contre, elle est hyper agréable à porter. Ce que j'aime, bah, c'est ce côté resserré hein, à la taille. Ici, c'est mignon, mais je pense que pour moi, il aurait fallu un col plus haut. Enfin, un différent. Je crois que ça ne me va pas, moi, les cols. Ça fait... Je sais pas, c'est pas moi. La longueur, bah, correcte. Je l'ai mis avec des bottes. Mais regardez, le motif est quand même joli. Hein. J'ai oublié de vous dire, ils m'ont donné un petit code promo. Caroline. Et vous bénéficiez de 15%. Pas mal. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous mets également les liens de chaque article. On va se faire quoi? On va se faire... Ah bah si, attendez. Je voulais essayer cette robe avant avec une petite veste. Ah, c'est plus intéressant déjà, en tout cas, au niveau de ma couleur. Ouais, et ça va casser. Du coup, je vais pouvoir équilibrer avec un col. Voilà. Et bah oui. Là, j'aime bien. Là, c'est joli. Ah, ça passe. Vous voyez? J'ai bien fait d'essayer. Je vais essayer avec l'autre. Je pense vraiment que c'est ce bleu foncé qui sera le mieux. Peut-être un petit peu fade. Je l'aime bien quand même. Le côté délavé. Non. Moins intéressant. Bon, on enchaîne. Je vous disais avec... On va se faire quoi? On va se faire... Bah, le poncho, tiens. J'ai bien envie. Je reprends mon petit papier. Le poncho est à 25,51. Bah, je le trouve assez fidèle. Hein, par rapport à la... À la photo, j'avais un peu peur au niveau du col, déjà, parce que bon, ça c'est propre à moi, rien à voir avec les fringues, c'est que j'ai du mal quand ça me serre au niveau du cou. Quelle idée de prendre ça, j'ai trouvé tellement joli. J'avais peur aussi que ça fasse bizarre ici, que ça tombe mal, ça passe, et je vous montre parce que franchement, je trouve qu'il est pas mal. Non, je vais montrer autre bout. Est-ce que ça serait intéressant d'essayer avec une ceinture? Alors, le problème de la ceinture, c'est que... C'est qu'à un moment donné, tu ne peux plus trop lever les bras. Ouais, non. Oublie. Si ça avait été plus long et si ça avait pas été des manches comme ça, parce qu'en fait, regarde, t'es bloqué. Bonjour. On passe à la suite.
Alors, c'est un peu moins la cata que celui que j'avais eu la dernière fois, mais c'est pas encore ça. La couleur me plaît. Ici, c'était la finition de l'autre, là, c'est là où ça a merdouillé. Là, parfait. On est encore sur un petit bruit qui est un pas plastique, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Le trench est à 41,35€. Oh, au niveau du teint, je trouve que ça me va plutôt pas mal. La longueur est très correcte. Je vais vous montrer, enfin, elle arrive en dessous les fesses. La taille, j'ai pris 36. Franchement, là, en plus, j'ai un truc très léger. Si je veux le fermer, j'aurais dû prendre le taille au-dessus. J'oublie à chaque fois. Attends, la ceinture, donc, elle fait 6 mètres de long à peu près. Comment faisons-nous? Donc en fait, tu vas faire combien de tours de taille pour... Ah, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? En fait, tu te retrouves... Alors est-ce que de toi-même, tu dois le couper? En plus, il glisse. C'est une matière qui fait que ça glisse, mais regardez. Donc, si je comprends bien l'idée... Tu fais un tour de... Ouais, non, là, il y a toujours des bugs avec les trenches, c'est pas possible. Donc, j'imagine qu'il va falloir que je le fasse couper, ce truc-là. C'est joli, vous voyez, comme je vous disais, ça n'arrive au niveau du bas du fessier. Donc, moi, ça me convient. Je vais vous montrer comment ça rend aussi... J'aime bien, hein, mais je vous dis, un peu juste, j'aurais dû prendre une taille M. Donc, tout ce que j'ai pris est en taille S, sauf le jean. Où j'ai pris peur, j'ai pris M, donc 38. C'est mignon, hein. Bon, là, pour tous les essayages, pour l'instant, je suis en legging. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et vous voyez, par exemple, si je mets un truc plus épais, pull et machin, parce que ce qui est joli, je trouve, c'est de le fermer comme ça, non? Je le mettrai sans problème. Je suis déjà en tenue legging, j'enchaîne avec la robe pull. Je pense que ça va le faire. Alors, oui, mais j'avoue que je m'attendais... Est-ce que ça maille un petit peu mieux? Est-ce que c'est parce qu'il est gris foncé? Ou est-ce qu'on est quand même encore sur un col rond? Par contre, il est hyper plaisant. Très très agréable. Et pour une taille S, il est grand. Sachez-le, il est même très large au niveau des bras. Si je fais ça, il va falloir que je retrousse. Et là, c'est assez bouffant. Et heureusement que tu as une ceinture, sinon ce serait un peu moyen. Est-ce que c'est parce que les étoiles ne tombent pas? Oh, quoique. Bon, je le mettrai parce qu'il est très pratique. Mais je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu différent. Au niveau des fesses. Il est comme ça. Le pantalon pull, 19,04€. Non, mais c'est très confort. La fille qui veut se s'auto-persuader, c'est confort. Il est très joli. Franchement, j'aime bien. Est-ce qu'on n'essaierait pas le gilet Marie Chantal? Et est-ce que je tenterai pas de le mettre avec un crop top? Pas le shorty pom-pom short, hein, laisse tomber. Mais à voir. Alors, là je ne suis pas d'accord, Milano. Ça là, rien à voir avec le mannequin. Il est beaucoup trop grand. Alors j'ai pris la petite taille S. Il est long, il est trop long. Enfin, ça va pas du tout ça. J'ai pris un truc qui ressemblait. Regarde, même mes mains, on les voit plus. Si je le fais... Oh là là, je le ferme comme ça. Ouais, c'est compliqué, là. C'est un autre style. Je ne me reconnais plus. Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, c'est pas laid, mais c'est une toute autre personne. On est d'accord? Je voulais vous dire autre chose. Je l'ai mis avec le jean. Le jean, donc 38. Ça va, mais il me sert pas trop au niveau des genoux et surtout... Qu'est-ce que c'est que cette forme qui remonte jusqu'au nombril, même au-dessus du nombril? Mais ça fait du tulle en fait. C'est pas possible. Ce style de pantalon, tu le mets, t'es en dépression. Tu te dis, mais je suis foutue comment? Mais non, rien à voir. C'est la coupe qui va pas. Je vous montre, je vous explique. Vous allez très vite voir. Donc on est sur un 38 comme je vous disais, de peur que ce soit trop petit. Voilà. C'est un pantalon, mon nombril est là, hein. Donc ça remonte bien haut. Mais surtout, ça te fait... Au niveau des fesses, pareil. Plus les poches sont rapprochées, plus ça fait des jolies fesses. Plus c'est écarté, moins c'est joli. Et là, elles sont écartées. Même si sur le mannequin, ça fait canon. Mais regardez, pas possible. Ça va pas, hein. C'est pas du tout flatteur. C'est franchement pas le chin. Et tu dois mettre avec un truc qui finit ici, hein.
Donc ça et ça, déçu. J'ai quand même oublié de vous dire la veste imprimée. Celle-ci, donc 26,39€. Et le jean, 24,63€. Je vous montre quand même un peu mieux le jean. Voilà, je vous montre, j'ai mis avec des baskets. C'est ce que je mets tout le temps en ce moment. Mes Buffalo, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je vous disais, d'ici c'est un peu large. Mais ça c'est normal parce que j'ai pris M. Jusqu'ici, on peut pas dire. Ça passe, c'est pour ça que je vais le garder. Hein. Et puis peut-être qu'au lavage, il va rétrécir, donc ça serait pas mal. Mais t'es obligé de mettre un truc qui arrive là. On est d'accord que des jeans qui remontent comme ça, c'est pas flatteur. Ne faites pas attention derrière, c'est toutes les fringues du haut et les chaussures. Voilà, là on le voit. Tu vois le bas des fesses, ça remonte... Non, bah non. Je dis non, messieurs, dames, je dis non. Mais, je dois avouer que ça aurait pu être très sympa, plus cintré et moins je me noie. Je me noie là-dedans. J'ai remis mon gilet du début. On passe aux deux autres pantalons. Beaucoup d'espoir. Et celui-ci un peu moins quand même. Je le sens pas, le lycra un peu pas de def. On va regarder tout de suite. Je vous donne les prix avant que j'oublie. Celui-ci qui est avec la ceinture. Pantalon ficelle 11,43€. Pantalon de nain, c'est celui-ci 15,43€. 83 pour être précise. Pas possible de faire une telle chose. Oh, c'est pas beau. Je l'ai mis avec des petites boots comme ça. Le problème, c'est pareil. Vous allez dire que je râle, mais c'est immonde. C'est quoi ça? C'est tout sauf joli. En plus, t'as des poches parce que t'es censé mettre ton truc comme ça. Mais à quelle heure? Bon, et puis moi, ça me gêne. Enfin, d'ici, ça plisse. Oh, c'est pas grave. Je vais vous montrer sur le... Je vais vous montrer avec le miroir. Ça sera plus parlant. Là, c'est joli. Du bas, ça fait joli avec la fermeture. Ça... ce que j'aimais beaucoup, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Qu'est-ce qui queen? Hein? Je sais pas, bon bref. Et pareil, il faut le porter avec un truc qui cache les fesses. Bon, ça va être une pièce que j'utiliserai pareil pour être confort. Et puis, ça ira très bien. Il est gris, hein, en fait, ouais, vous avez vu. On passe au bout de ficelle. Voilà. Le résultat, on est sur un modèle un peu folklorique. Peut-être, peut-on l'appeler comme ça? Pourquoi? Ambiance. Alors ça, c'est le fameux lassage. Attends, je cache quand même. Ça pourrait être joli, si tu es très grande. Et on sait, les grandes jambes. Parce que, ah si, ça tient, mais... Non, ça, y a un truc qui va pas. Oh non, c'est pas possible. Alors, petit bilan, sur les 8 pièces, on va dire qu'il y en a 3,5 qui me conviennent, mais je pourrais en mettre 5. Le trench, correct, mais ceinture à revoir. Ça, un basique, comme je vous ai dit, qui peut être utile. Le poncho, qui est pas si mal. Et cette robe, mais avec notamment cette petite veste. Après, les pantalons, franchement, non, 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 ça va pas du tout. Et déception pour le joli gilet. Parce que je pense qu'il pouvait être intéressant ce côté très classique des baskets et puis un petit haut un petit peu fun en dessous. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et puis j'attends vos petits commentaires. À très vite. Ciao !